Seigneur Jésus. Je ne pas pour Dieu. Je ne te laisse plus sur ma boue comme un casse. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Prononce des paroles de bénédiction à ton voisin. Au besoin, tu peux même circuler dans la salle pour saluer ton bien-aimé que tu as vu il y a longtemps. Dis-lui bonjour de la part de Jésus-Christ. Dis-lui qu'il soit en bonne santé. Tango pomoni azana maobanda ko kabele sengo. Yebisa ke le Jourdain zali sengo. Amen. Soko moni elonge kangama yebisa se kamuke. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Ezana moto moko azana sengo na somo ya lelo. Très fort pour le roi de roi, so Christ ma boko makasi. Que Dieu vous bénisse. Zambe apambola bino. Amen. Amen. Eza sengo makasi ya. Surtout, Ezaba Moussoso, tout mon ami, il y a longtemps. D'abord, moi, j'ai béni Dieu. Hier, j'étais souffrant, hier soir. J'ai eu une fièvre. Mais le Seigneur m'a réveillé en bonne santé. Alléluia. Je suis aussi dans la joie parce qu'il nous a sélectionnés parmi les pauvres. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi de roi? Que Dieu bénisse son peuple ce matin. Zambe apambola libotani na tongo lelo. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Tokikotanga liloba na Zambe. Nous allons voir quelque chose. Tokomoni loko moko moke. Si le lecteur peut nous amener rapidement vers dans Genèse 26. Soki motangi akikomema biso na mokana na ebandeli mokapo ya tukumu bali na motoba. Cela concerne pour nous aujourd'hui. Yango ndezali mama na likambo na biso. Parce que le pays, notre pays est en train de traverser dans des zones de turbulence. Pwete ekolo na biso ezali koleka na bileko na ba. Et cela va beaucoup nous inspirer. Pe yango ekopesa biso Genèse 26 2 3. Mokana na ebandeli mokapo ya tukumu bali na motoba. Genèse 26, si le lecteur peut nous lire rapidement. Mulongo ya mi bali kino na misa. Genèse 26 2 3. Nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 26, versets 2 à 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi. Et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai les serments que j'ai fait à Abraham, ton père. Merci. Amen. Amen. Luc 6, 38 à 40. Luc 6, 38 à 40. Nous lisons chapitre... Non, commencez par 39, je m'excuse, 39. Venez seulement 39. Chapitre 6, verset 39, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Jusqu'à 40, hein? Oui. Il leur dit aussi cette parabole, et un aveugle peux-tu conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Les disciples n'est pas plus que son maître. Mais tous les disciples accomplis sera comme son maître. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Prenez place. Alléluia. Amen. J'ai béni aussi Dieu. Je vois la présence de papa, papa John. Papa John. Papa, que mon Dieu vous bénisse. Papa Nzambe apambola yo. Alléluia. Amen. Ça fait de la joie quand on voit le papa. Il soutient son fils. Alléluia. Amen. J'ai béni aussi Dieu pour ta présence. J'ai béni Dieu pour la présence des serviteurs, des chantres et protocoles.
Que Dieu bénisse son peuple. Nous allons voir quelque chose d'une grande importance. Demande à ton voisin s'il est dans la joie ce matin. S'il est dans la tristesse, communique-le la joie. Alléluia. Amen. Ces derniers temps, il y a une lutte. Amen. Il y a trop de luttes. Il y a trop de stress. Alléluia. Amen. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain. Par rapport à notre situation économique. On se pose beaucoup de questions. Est-ce que demain ça sera comment? Parfois, nous retrouvons dans une vision sombre. On ne sait pas voir plus loin. Tout simplement parce que la situation n'est pas bonne. Parfois nous dormons dans les chagrins. Nous veillons dans les larmes. Alléluia. Amen. Nous avons la tristesse qui est permanente, qui est à l'ordre du jour. Mais quand tu viens dans la maison de Dieu, qui est appelée une maison de prière, dans la Bible dit, ma maison sera appeler une maison de prière et non une caverne de voleurs. Lorsque vous arrivez dans la maison de Dieu, vous devez être dans la joie. Même si vous êtes triste, mais pendant que votre voisin est dans la joie, il est rempli du Saint-Esprit. Il peut te communiquer cette joie. Si toi tu es dans la joie, salue ton voisin et communique-le la joie. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu as dit Sengo? Amen. Est-ce que tu crois clamer pour la roi de roi? Gloire au Seigneur. Bien-aimé, je vais continuer mon enseignement. Sur la vision. La vision. Emoniseli. Je crois que c'était le samedi passé. Lors de la formation, j'avais parlé sur la vision. Et aujourd'hui, je vais atterrir. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mais je vais atterrir par rapport à quoi? La fois passée, j'avais dit, je crois que c'était sur le leadership. Le Seigneur nous avait inspiré sur ce passage. Là où la Bible dit, l'Éternel lui est apparu. Et il dit, ça c'était Isaac. Ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Alléluia. Amen. Tout simplement, dans ce pays, il y avait de la famine. Rien ne marchait. Mais Isaac voulait aller en Égypte. Je ne sais pas par rapport à quoi. Ou peut-être il avait reçu des conseils de ses disciples ou de ses serviteurs. Puisqu'il y a de la famine ici, nous devons aller de l'autre côté. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Puisqu'il y a de la famine, mais je vais te dire ceci, bien-aimé. Ce qui se passe dans notre pays a déjà existé dans notre pays. Et si elle est en train de se faire, je comprends. Amen. Ce qui se passe aujourd'hui, s'il y a la famine dans notre pays, sachez que la famine a déjà existé. Même notre patriarche Abraham, lorsqu'il y avait de la famine là où il était, il est allé en Égypte au lieu de consulter Dieu. C'était un grand patriarche, mais il n'avait pas la vision. Mon thème aujourd'hui, alléluia. Amen. Est-ce que ça va être un peu comme ça? Est-ce que tu es ensemble? Amen. Avoir une vision claire. Même lorsque vous marchez, si vous allez myope, quand
quand vous n'avez pas une vision claire, sachez que même en marchant, vous allez trébucher. Vous allez connaître des obstacles dans votre vie. La vie est un combat. Moi, j'ai toujours dit que la vie n'est pas une partie de plaisir. C'est un champ de bataille. Lorsque vous êtes dans le champ de bataille, vous devez avoir une vision claire. Tout simplement parce que vous risquez de tuer l'ennemi que vous ne connaissez pas. Vous risquez de tuer même les alliés. Tout simplement parce que vous manquez la vision claire. Est-ce que tous ensemble? Amen. Avoir une vision claire. Vous devez avoir une vision claire. Notre patriarche n'avait pas une vision claire. C'était Abraham. À cause de la famine, il s'est déplacé avec sa femme. Il est allé en Égypte, ne sachant pas que c'était une manière de vendre sa femme. Jusqu'à ce que le roi d'Égypte a pris même sa femme pour parce qu'il n'avait pas consulté Dieu. Parce qu'il n'avait pas une vision claire. Lorsque vous manquez une vision claire, vous risquez de faire des bêtises. Là aujourd'hui, même l'église d'aujourd'hui fait beaucoup de bêtises par manque d'une vision claire. Est-ce que tous ensemble? Amen. Voilà, bien-aimés, nous allons nous référer à notre patriarche Isaac. Il a vu qu'il y avait de la famine dans le pays. Il cherchait comment aller en Égypte. Parce que pour lui, en Égypte, c'est là où coulait le lait et le miel. Pendant que Dieu avait une promesse, une autre promesse, Dieu avait dit à Jacob, il a promis même à Abraham que je vous donnerai Cana là où coule le lait et le miel. Donc, pendant que nous sommes là, chacun de nous a une promesse. Donc, vous devez connaître votre promesse et attendre l'accomplissement de votre promesse. Si vous n'avez pas une vision claire, vous risquez de tomber dans l'erreur. C'est la chanson de tout le jour. Quand vous posez la question aux gens, ils vous diront tout simplement que la vie se trouve en Europe. Allez tout simplement en Europe et c'est là où il y a la vie. Moi j'ai toujours dit que c'est par manque d'une vision claire. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Vous allez voir que nos compatriotes qui sont en Europe souffrent. Est-ce que nous sommes ensemble? Souffrent. Tout simplement parce qu'ils ont manqué la vision. Ils ont manqué une vision claire. Notre Isaac avait une vision, avait compris une chose. Pendant qu'il s'est pressé pour aller de l'autre côté, le Seigneur nous dit ne va pas de l'autre côté. Reste ici, parce que c'est ici que moi je t'ai béni. Alléluia. Amen. Tout le monde voit ça. Nous sommes à l'obac à Opambole Sikani. Nous sommes à l'obac à Opambole Sikani. Soka na salika kapele abato balingi okende poto. Papa, babeti deve ao. Babeti deve. Sika olo. Ebele. Alléluia. Américain à Molimo. Mais je vais vous surprendre. Moi j'ai des gens qui sont en Europe. Les membres de ma famille, les amis qui sont là en Europe. Vous savez ce que moi je fais? Quand je pose la question à un membre de la famille, dans notre église, nous avons besoin d'une caméra. Alléluia. Amen. Vous savez ce qu'il va faire? Il va chercher la caméra que vous avez besoin. Mais il va mettre quelque chose là-dessus. Simplement parce que lorsque vous allez envoyer les $500, lui il vous dira que c'est $600. Parce qu'il veut avoir les $100. Mais si lui avait beaucoup d'argent, il ne pouvait pas faire ainsi. Qu'est-ce qu'il allait faire? Dans votre église, vous avez besoin d'une caméra. Moi, je vous achète la caméra et je vous l'envoie. Alléluia. Regardez même lorsqu'on vous envoie des habits. Un jour, mon cousin nous envoie des habits. Alors, les gens étaient dans la joie. On a amené des cartons. Canada. Lorsqu'on a ouvert les cartons, moi j'étais au bureau. Ma femme m'appelle la Bible. Atindeli biso bilamba badona beja. Voilà. Na ba ninya. Alléluia. Quand vous le regardez dans les réseaux sociaux, vous allez voir que lui s'habille très bien. Mais lorsqu'il envoie les habits, ce sont des histoires ridicules. Je l'appelle, je lui pose la question. Mais c'est que tu nous envoies. Imaginez un truc pareil. Robe. Terra déjà va salaire mouké, azuita ya moi si nangana ba terra na ba manasse. Asangisi. Bangonya sobako tena robe moko. Robe familiale.
Papa, est-ce qu'on parle de notre corps pour le roi de l'homme? Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien-aimé, Balingami. La Bible dit l'Éternel lui apparut. Il dit ne descends pas à l'Égypte. Même dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays. Je suis avec toi. Et je te bénirai. Car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai toutes ces terres. Je tiendrai ainsi les serments que j'ai faits. J'ai prêté à ton père Abraham. Alléluia. Amen. Il a entendu la voix de l'Éternel. Parfois ce que nous faisons, mais on ne demande même pas la volonté de Dieu. On se presse à accomplir nos désirs. On se presse à accomplir nos besoins. Sans demander la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Peut-être c'est au Congo. Peut-être à Kinshasa. Kinshasa. Là où le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te visiter bientôt. Peut-être ça sera pour l'année prochaine. Mais toi, tu te presses pour aller à Nairobi. Tu te presses pour aller en France. Pendant que ta bénédiction est ici. Parce que tu n'as pas consulté Dieu. Lorsque tu vas te retrouver à Nairobi, tu verras que les choses. Alléluia. Amen. Vont marcher difficilement. Il y aura même des documents difficiles. Même les visas. Pour la voie, ça sera difficile. Attends, pour avoir les documents de résidence, ça sera difficile. Pour avoir du travail, ça sera difficile. Tout simplement parce que vous vous êtes empressé. Vous êtes pressé pour accomplir un besoin. Un besoin que vous n'avez pas cherché la volonté parfaite de Dieu. Mais la Bible dit ceci. Donc ici, on voit un aveugle. Dans Luc, la Bible dit que si tu te laisses conduire par un aveugle, donc il y a un aveugle qui n'a pas une vision claire. Ici, on ne parle pas d'un aveugle, un aveugle physique. Ici, on parle d'un aveugle spirituel. Si tu te laisses conduire par un aveugle, un aveugle spirituel, sache que vous allez tomber dans le trou. Ensemble avec cet aveugle. C'est-à-dire cet aveugle manque tout simplement la vision. Même lorsque vous avez un mari, il n'a pas une vision. Lui qui est le visionnaire de la maison. Si vous suivez ce mari, il n'a pas une vision claire. Vous risquez de tomber dans le trou avec votre mari. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ici, nous sommes à l'église. Nous voulons parler de la vision. Lorsque nous sommes à l'église, si le pasteur n'a pas une vision claire, si le pasteur ne voit pas plus loin, si le pasteur ne sait pas conduire ses enfants, risque de les amener dans le trou. Tout simplement parce qu'il manque la vision. Vous devez avoir une vision claire. Même dans votre vie, même dans la vie conjugale, même dans votre vie professionnelle, vous devez avoir une vision claire. Même lorsque vous servez Dieu à l'église, dans tous les secteurs de la vie, dans tous les secteurs de l'église, vous devez avoir une vision claire. Lorsque vous manquez la vision, vous risquez de faire des bêtises, de commettre beaucoup de bêtises. Et ici, nous allons voir une vision qui va beaucoup nous inspirer. Ça sera la vision de l'aigle. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Regardez ce qui se passe dans notre pays. Les gens s'apprêtent à quitter le pays. Les gens sont prêts à blasphémer même contre le Seigneur. Les gens sont prêts même à accuser les autorités. Alléluia. Mais parce que les gens se lamentent. Les gens se posent des questions. Ce qui se passe dans notre pays. Et lorsque vous vous posez des questions, vous avez tendance à vous référer dans d'autres pays. Mais laisse-moi vous dire ceci. Le Congo n'est pas Brazzaville. Le Congo n'est pas Nairobi. Le Congo a ses réalités. Et le Congo a une promesse. Et je vais vous dire ceci. La promesse du Congo est particulière. Est-ce que quelqu'un me comprend?
La, Congo du, la promesse du Congo, Congo, elle est particulière. Congo. Ta promesse à toi, elle est particulière. Ne te réfère pas à tes voisins. Ne vois pas ce que tes voisins font. Ne vois pas ce que ton bailleur fait. Mais vois ce que le Seigneur veut faire de toi. Alléluia. Si tu as une promesse, tu vas entendre la promesse de Dieu. Alléluia. Il faut attendre l'accomplissement de Dieu. Ce qui se passe dans notre pays, sachez que même Bamikono Basi va vivre à Yango. Alléluia. Amen. Mais nous, notre manière de faire, c'est de nous référer aux anciens et de voir comment nous devons nous comporter. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Na droit babé nyango une jurisprudence. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous agitez pas. Ne soyez pas dans le tourment. Ne vous tourmentez pas. Beaucoup de gens ont fait même des bêtises. Tout simplement, ils voulaient accomplir un besoin. Un besoin charnel ou un besoin personnel. Parce que tout simplement, la promesse de Dieu tend à venir. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est patient? Il va attendre patiemment l'accomplissement de la promesse de Dieu. Si cette personne est ici présente, elle peut acclamer très fort pour le roi de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Qu'est-ce que le pays connaît aujourd'hui? La situation est devenu catastrophique. Parce que tout simplement, nous traversons des zones de turbulence. L'économie, on ne sait plus saisir l'économie. La monnaie bouge à tout moment. Même les hommes d'affaires, j'ai rencontré un homme d'affaires. Il m'a dit, même lorsque tu fais des affaires, imaginez si vous avez un fonds en dollars. Pour vendre dans notre pays, il faut le vendre en francs congolais. Vous vendez quelque chose qui est équivalent à 10 dollars. Vous le vendez aujourd'hui, le taux est à combien? 15 500. Vous le vendez à 15 500 le matin. Arrivé à midi, le taux maintenant c'est à 160. Lorsque vous calculez, vous allez voir que vous allez perdre beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. Vous allez perdre beaucoup d'argent. Tout simplement parce qu'il y a un problème dans notre pays. Nous savons qu'il y a un problème dans notre pays. Isaac était aussi appelé. Isaac avait aussi une promesse. Mais il s'est vu. Il s'est rendu compte que malgré que j'avais la promesse, il s'est retrouvé dans le pays où il y avait de la famille. Mais il n'a pas craché sur les autorités. Alléluia. Amen. Il n'a pas blasphémé le nom de Dieu. Mais il a écouté tout simplement la voix de Dieu. Il a dit que moi je vais me référer à ce Dieu-là. Aujourd'hui nous allons voir quelque chose, bien aimé. Est-ce qu'on peut nous lire dans Apocalypse 6? Apocalypse 4, je m'excuse. Apocalypse 6 jusqu'à 7. Nous allons voir quelque chose. Apocalypse 4, 6 jusqu'à 7. Nous sommes dans l'Apocalypse de Jean, chapitre 6, verset 6 à 7. Nous lisons au nom de Jésus. Non, 4, 6 à 7. 4, 6 à 7. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Et sur ce trône, 24 veillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de yeux devant et derrière, le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole versé. Acclamons très fort pour la parole. Merci. Bien aimé, nous allons voir quelque chose d'une grande importance. On a salé la même syllabus. Chaque fois,
Alléluia. Amen. Qui va vous aider. Même lorsque vous êtes à la maison, vous pouvez avoir ces syllabus. Qui va beaucoup vous aider. Tout simplement parce que nous voulons avoir une vision des lèvres. C'est une vision qui est plus claire. Alléluia. Amen. Les quatre êtres vivants qui représentent l'ensemble de la création en contact immédiat avec Dieu. Ou des yeux. Des yeux pour veiller sans cesse sur le monde. Jean a vu quatre êtres vivants. La Bible dit que le premier était semblable à un lion. Les lions ne nous intéressent pas aujourd'hui. Mais un jour nous allons parler des lions. Les lions représentent tout simplement la royauté et le plus fort. Alléluia. Le deuxième être vivant, il avait la face d'un veau. Ça, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Ça, c'est le travail. Nous allons voir ça plus tard. Le troisième être vivant, il était semblable à un fils d'homme. Il avait la face d'un homme. Alléluia. Amen. Ça, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Mais le quatrième nous intéresse aujourd'hui. Parce que la Bible dit ceci. Il avait la face d'un aigle. Mais pas un aigle qui était assis. Pas un aigle qui était dans son nid, mais un aigle qui était en plein vent. Regardez le visage d'un aigle qui est en plein vent. Tout dans nos voisins, est-ce que tu comprends le mystère? Alléluia. Amen. Bien aimé, chaque oiseau. Chaque oiseau que vous voyez ici, c'est un mystère. Mais aujourd'hui, nous allons voir le mystère de l'aigle. Lorsqu'on vous dit ceci, vous êtes une poule mouillée. On peut simplement vous dire que vous êtes un peureux. Bien aimé, faites attention. Si vous avez un ami qui est peureux, il risque de vous contaminer. Car la peur, elle est contagieuse. Si vous marchez avec quelqu'un qui il a peur de la vie, il risque de vous donner des conseils. Alléluia. Risque de vous donner des conseils pour tout simplement vous dévier. Une vision claire. Mais on a un ami qui est peureux. Lorsque vous voulez faire une petite affaire, lorsque vous voulez faire un petit travail, vous parlez à votre ami, il vous dira tout simplement que moi je connais la personne qui a échoué. Moi j'ai un ami, j'ai un membre de la famille qui a osé faire ce que tu veux faire et il a échoué. Si tu oses toi aussi, tu risques d'échouer. Moi je connais deux amis. Alléluia. Pendant qu'on grandissait, un ami nous disait ceci. Vous savez la vie. On s'est référé à un PDG à l'époque, on était à Lubumbashi. Un PDG de la Chicago. C'était Umbakiamita là. Après lui, c'était Moulendambo. Alléluia. Amen. Alors mon ami me disait ceci. Pourquoi tu es en train d'étudier? Pourquoi tu passes tout ton temps à étudier? Moi j'ai dit, mais moi je veux devenir quelqu'un dans la vie. Alors il me dit, tu veux devenir quelqu'un dans la vie comme lui par exemple. Moi j'ai dit, moi je veux devenir comme Umbakiamita. Il me dit, mais toi tu es malade. Ce monsieur là, c'est un homme. C'est comme un ange. Alléluia. C'est comme un ange. Ça, c'est un élu de Dieu. Tu ne peux pas devenir comme lui. Moi, j'ai dit, moi un jour, je vais devenir comme lui. Non, laisse. Alors, l'autre me dit. Alors, après, tu veux encore devenir qui? Moi, je vais devenir un papa un jour. Avec des enfants, avec mon épouse. Mais non, ça, il faut laisser mon chef. Tu ne peux même pas oser. Tu as difficile même à te trouver même un petit peu. Comment est-ce que tu vas nourrir la femme et les enfants? Alléluia. Vous savez, des amis, mais des amis négativistes. Alléluia. Amen. Qui n'avait pas la vision claire. Pendant que moi j'avais une vision claire, je me suis dit un jour, je dois me détacher de ces gens. Je ne peux plus continuer avec ces gens. Parce que moi je dois avoir des amis qui ont une vision lointaine, qui voient plus loin. Quelqu'un qui peut me mousser. Dans la vie, nous avons besoin des gens qui peuvent oser. Pas des gens qui tremblent devant une crise. Pas des gens qui tremblent devant une crise. Il faut
Vous aurez combien? Laisse-moi vous dire ceci. Avec les politiciens que nous avons, nous pouvons vendre le pays aujourd'hui. Alléluia. Amen. Vous allez commencer à pleurnicher. Le jour où on va même vous chasser dans la maison. Vous allez chercher là où aller. Okay, vous avez vendu votre pays. Moi je n'ai rien reçu. Non, est-ce que c'est toi qui. C'est, ça c'est mon affaire. Ça c'est pas mon affaire. Moi j'ai déjà donné de l'argent. Alors vous devez libérer. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Vous devez avoir un monsieur. Vous devez avoir un ami. Même un mari. Si vous avez un mari pérenne, dites-lui tout simplement que vous êtes une poule mouillée. Quand on vous appelle, vous êtes une poule mouillée. Vous êtes un pérenne. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. On peut clamer très fort pour le roi. Bien-aimé dans la vie, lorsqu'on vous dit. Vous êtes un perroquet. C'est aussi un oiseau. Alléluia. Amen. C'est aussi un oiseau. Mais lorsqu'on vous dit que vous êtes un perroquet, on veut dire tout simplement que vous êtes un bavard. Vous dites des choses, vous ne réalisez même pas. Vous parlez trop pour ne rien faire. Vous devez parler et accomplir ce que vous avez fait. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'il y a des perroquets ce matin dans notre église? Les gens qui parlent et vous ne rien faire. Alléluia. Amen. Lorsqu'on vous dit que vous êtes un perroquet, moi je vous dirais tout simplement qu'il faut pleurer. Mais faites attention, bien-aimé. Si vous avez un ami perroquet, vous avez un perroquet. Ayeba quand même pas qu'on choisir l'endroit où Azo Loba. Ayebite na atmosphère ni où il faut. Vous avez un ami perroquet. Lorsque vous marchez, il ne se rend pas compte qu'il y a les agents de renseignement autour. Ayebite que parce que vous allez colloquer avec Azo Loba. Autorité faut que vous m'abandonnez. Assassin. Mouta renseignement yoke. Yeyo. Aliga bomba mukonzamboka. On vous arrête et demain vous vous retrouvez à Makal. Vous posez des questions, mais qu'est-ce que non, parce que vous avez comme ami un perroquet qui a beaucoup parlé et vous l'avez écouté. Vous avez fait route ensemble et aujourd'hui vous vous retrouvez dans des problèmes. Faites attention, bien-aimés. Des gens qui parlent et ne réalisent pas l'impact de ce qu'ils sont en train de faire. Ne réalisent même pas les conséquences de ce qu'ils sont en train de faire. La Bible dit ceci. Même Jésus-Christ lui-même a dit à ses disciples, soyez prudents comme des serpents, mais humbles comme là, est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est ce qu'il a dit, non? Nous devons être prudents. Faites attention. Kéba. Ce que vous voyez ici, ce qui n'est pas dans notre pays, c'est ce qu'on a déjà calé. Mais quelle est l'attitude à adopter? Vous devez adopter l'attitude d'Isaac. Isaac a cherché à contacter Dieu. Et Dieu lui a paru. Dieu lui a parlé. Il a écouté la voix de Dieu. Et il a obtempéré. Vous aussi, vous devez écouter la voix de Dieu. Car la voix de Dieu, c'est la voix de la raison. Si vous écoutez la voix des gens, vous risquez de tomber dans le trou. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. On peut acclamer très fort pour le roi. Bien-aimé, Balingami. Exemple, Nanga, c'est trois oiseaux seulement. Et le Soso Azane. Papa. Directeur d'école primaire. Soso Azane. Directeur pas Azane, papa. Chauve-souris Azane. Azapendek. Apumbwaka. Na longwe koto bato maele mingi baza koto. Voilà. Oh. Biso bato moi maele muketo za koto. Oto tanga mingi te. To suka na ina bato. Papa meso. Voilà. Chauve-souris Azane. Trichéri même à l'église. Modèle à vos sanini. Sœur Naomi. Sœur Naomi. Sœur Naomi. Sœur Naomi. Sœur Naomi.
Mammifère. L'exil. Ah. Pourquoi voilà. Il m'a soufflé. Mammifère l'exil. Acclamons très fort pour le roi. Et là, il se crie sur ma boucle, ma casse. Nous t'avons sauté. Qu'autant que Zali se quitte. Ils ont passé. Mika Katano. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous avez le vautour. Bien aimé, vous avez le vautour. Le vautour. Qu'est-ce que le vautour fait? Ni le vautour à ça là. Lui, il attend. Yes, c'est là que. Lorsque quelqu'un va chasser. Alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un va chasser, c'est alors que le vautour arrive et prend la proie, mange la proie. Le vautour peut manger même les cadavres. Est-ce que tous ensemble? Amen. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'aigle. Acclamons très fort pour le roi. Bien-aimé, je vais vous apprendre ceci. L'aigle vit environ 60 ans. 60 ou 80 ans. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il fait soigneusement attention à ce qu'il mange. Est-ce que tous ensemble? Amen. Il fait attention soigneusement à ce qu'il mange. L'aigle ne mange pas n'importe quoi. Ici, je suis en train de vous prêcher d'une manière spirituelle. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Lorsque vous êtes un aigle, vous êtes un enfant de Dieu, vous ne pouvez pas manger n'importe quoi. Manger, c'est-à-dire quoi? La parole de Dieu. Lorsque nous venons à l'église, nous venons pour manger la parole de Dieu. Mais est-ce que dans des églises aujourd'hui, est-ce que les hommes de Dieu, ce sont des véritables bergers? Est-ce que même la capé, la nourriture qui convient, est-ce que cette nourriture va permettre aux enfants de Dieu de vivre longtemps? Alléluia. Vous devez faire attention. Oh non, parce que ton côté qui n'a qu'à l'église, on a certains pasteurs aussi. Même s'il y a des doctrines de démons, même s'il y a des doctrines de Baal, même s'il y a des doctrines de Nicolaïstes, tout simplement vous acceptez de tout manger. Voilà pourquoi vous mourrez spirituellement. Alléluia. Amen. Vous avez des gens qui meurent chaque jour. Hier, dans l'Ancien Testament, les gens mouraient physiquement. Aujourd'hui, nous avons des gens qui meurent spirituellement. Vous devez faire attention à ce que vous mangez. Même l'aigle, même si je dois parler d'une manière physique, vous savez, vous allez voir quelque chose. Au moment où pendant qu'il vivait, il pouvait aller même au-delà des 100 ans. Mais aujourd'hui, pour atteindre 50 ans, c'est tout un problème. C'est un mystère. Tout simplement parce que regardez ce que nous mangeons. Ce qui est bon pour nous, ce sont les cuisses qu'on nous présente. Entre guillemets, ce sont des cuisses. On ne sait même pas d'où ça vient. Et où alors, alléluia. Amen. Même dans le moment de la conservation, papa John, tu évites ce que la cuisse d'abord et combien de temps dans le congélateur? Pour preuve, vous allez voir quelque chose. Regardez les cuisses. T'as la cuisse. Lorsque vous allez les griller, lorsque vous les grillez, vous allez en goya sauce. Vous mangez des histoires que vous appelez les vivres frais. Tu évites ce que tu as dit, hormones. Après quelques temps, vous avez des cancers, vous avez des maladies. Difficile à expliquer. Et demain, vous allez mourir facilement. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mais l'aigle fait attention à ce qu'il mange. C'est ce qui va permettre une longue vie. C'est ce qui peut permettre à votre vie, à une longue vie, vous devez faire attention à ce que vous mangez. Tout ce qui descend d'Israël n'est pas Israël. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Bien aimé, vous devez faire attention. Tous parlent de Jésus-Christ. Mais avant Jésus-Christ, il y avait des Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, on a vu encore d'autres Jésus. Nous prêchons tous de Jésus-Christ. Mais de quel Jésus-Christ parles-tu? Tu parles de quel Jésus-Christ? Jésus-Christ qui se tient à la droite du Père. C'est lui qui est mort et ressuscité. C'est lui qui t'a sauvé, toi et moi. C'est lui qui a baissé le sang à Golgotha.
vous devez parler de la croix. Car la croix est le centre du christianisme. Notre vie, pour avoir une longue vie, vous devez tourner votre vie à la croix. Si vous ne voyez pas la croix, vous avez une vision qui n'est pas claire. Mais si vous voyez la croix, ce qui s'est passé à la croix, donc cela veut dire tout simplement que vous avez une vision claire. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc vous devez avoir une vision claire. Voilà, bien aimé. Faites attention. Keba. Ça, c'est l'aigle. Il ne mange pas n'importe quoi. L'aigle ne peut pas manger un cadavre. Quelque chose. Un jour, lorsqu'on était à tabernacle, je me rappelle, on m'a raconté une histoire. Il y avait un groupe de gens. Ce groupe arrive à Promobat. Avec la viande de. N'angombe na bango. De vache, je crois. Ils ngombe. Ngombe, hein? Le groupe va commencer à discuter. Et tu commences à dire à papa que non, ah, ma camboine est allée. Papa voit la chose, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y a un monsieur qui nous a dit mais c'est quel monsieur? Bon, je ne sais pas s'il est candidat député. Pendant qu'à cette époque, il n'y avait même pas de campagne. Et les gens ont mangé comme ça. Bien aimé, faites attention. Vous pouvez trouver même la mort en mangeant ces histoires-là. Vous pouvez être même loin de Dieu. Peut-être cet animal a été sacrifié aux idoles. Et vous avez mangé. Vous avez participé à l'adoration de Dieu. Vous devez avoir une vision claire. L'homme Moto, ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Qu'est-ce qui sort de la bouche de l'Éternel? La parole de Dieu. La parole pure. C'est ce qui sauve. C'est ce qui va te donner la vie. Et tu vivras une vieillesse. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. On passe la mettre fort pour le Jésus-Christ. Voilà, bien aimé. Vous devez faire attention. Vous devez adopter la vie de l'aigle. Vous devez faire attention. Vous avez besoin, vous avez tout intérêt à vivre longtemps. Mais faites attention à ce que vous mangez. Faites attention à ce que vous écoutez. Qui est la parole de Dieu. Voilà un aigle. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Voilà, bien aimé. L'aigle peut vivre longtemps. L'aigle. Mpongo. Il y a Confucius. Confucius était qui? Confucius Azalakinan. Aginan. Lelo na kufaka na directeur. Préfet yote, directeur. Confucius Azalakinan. Bo tricheté na kata sa. Directeur Confucius Azalakinan. Azalakinan. Na tous les directeurs, mino vous répondre. Directeur. Bo tala directeur yon, ande directeur à l'Ejourdain. L'homme qui est plus intelligent à l'école primaire. Yoka. Directeur. Confucius Azalakinan. Hein? Azalaki muta ma mabanzo. Basi ba soufla kiyote. Zela na kotukiso kala mingi te. Cette fois-ci na kobengo libosa. Voilà. Avec un micro. Hein. Acclamons très fort pour le roi. Jésus-Christ va vous comakasi. Bien-aimé, balingami, désormais soyez des aigles. Tous à la bampong. Ne vous battez pas. Alléluia. Amen. Pour des futilités. Battez-vous pour le meilleur. Bannissez donc les réflexes de la médiocrité. Dans votre vie, quel que soit le domaine, cultivez l'excellence. Alléluia. Amen. On peut acclamer très fort pour le roi de Dieu. Gloire au Seigneur. Oui, le problème c'est quoi? Et là, il y a une place où Yeshua car. On se cultiva tellement au mieux cotisé dans ma canisse la bassesse que y a pas toi c'est moi ou ma tata ou ma tante moi mon cousin comment t'as négé ni est-ce que tu es ensemble? Amen. Ils ont battu monsieur nakuta bande comme moi basse baso tambo la baso solo bango mi balé mukalobi mais à quand le mariage qui nous t'as quand est-ce que je vais me marier nakuba la tango aujourd'hui même si lelo ata mutoa pousse ou se pointe aujourd'hui ailleurs à lelo je vais aller nakuba nangai pour na balaga cette dame ne croit pas
que Dieu peut l'envoyer, un homme qui peut la prendre en charge, qui peut prendre même sa famille en charge. Alléluia. Vous devez bannir la médiocrité. Même dans votre manière de réfléchir. Vous devez réfléchir grand. Lorsque vous parlez à votre voisin, il doit vous prendre comme un fou. Il va dire, mais c'est monsieur, c'est un fou. Pendant qu'il est locataire, il est en train de me dire que d'ici là, il sera bailleur. Vous devez bannir la médiocrité. Vous devez confesser l'excellence. C'est ça l'aigle. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Parfois, on se dit que nous sommes des aigles. Mais nous nous battons pour des futilités. L'église, ce n'est pas pour le meilleur. Regardez même lorsqu'on vient à l'église. Vous allez voir que des gens se disputent pour des gens se disputent pour des histoires inutiles. Vous oubliez même l'essentiel. Vous oubliez que moi à l'église, je viens pour chercher la face de Dieu. Lorsque vous arrivez à l'église, vous devenez une politicienne en train de critiquer les autres, en train d'insulter les autres. Le manque du respect vis-à-vis de la parole de Dieu. Vous devez bannir la médiocrité. Battez-vous pour les meilleurs. Qu'est-ce que vous cherchez à l'église? Pourquoi vous cherchez chaque jour la face de Dieu? N'est-ce pas, c'est pour le meilleur. Vous devez bannir les médiocrités. Nous sommes pour montrer tout simplement qu'il est bien habillé. Alléluia. Ça il oublie l'essentiel. Moi j'irai à l'église. Je vais raconter aux mamans qu'hier on avait mangé. Mais qu'est-ce que ça fait? Est-ce que tu as envoyé l'église à Moulaï? Alléluia. Le problème à Pembe Nangaï, il y a un débat. Il y a un débat terrible. Une dame me dit, m'appelle, c'était avant-hier, une soeur de l'église. Elle dit, ah, papa, j'ai vu tes enfants na Facebook. Oh non, papa, il y a un Pembe. Maman Hélène, il y a un Pembe. Je vais vous dire pourquoi que maman Hélène a permis. Voilà. Alléluia. Amen. Nabi, yokana ebisayo. Olobi maman Hélène a permis. Asu pembe wana wapi. Asu pembe wana sûrement ba parents naye ngabi ok. Ya solo. Ndende ngona. Bino pembe ça d'accord. Bondimi. Na ebisi eboyi. Nabi n'est-ce pas? Elle a été tirée de mes côtes. Ya solo te kabima kina mopanti na. Si elle a été tirée de mes côtes. Amema ki pembe nyo. Ce qui fait que pembe na ngai ça ya. Elle kina mopanti ya kata ke nango. Ya mo ke nango. A esa la rien papa. Mais ce que Dieu fait. Kasi yo konza ba sa. Na benda ki. Alléluia. Amemi ya te déjà na kata ba côtes na ngai. Amemi na ba ba ko sala miracle sala ki na tango a dante. Amemi pensé wana. A ke kokoti sango na libu mama moko komo na angel a boti. Mama wana musala na epesa nini? Esuki. Atikali ne kaka mama ya bongo. Pour preuve, cette femme là va encore vivre avec moi. Tout le temps de ça, na bomo ya nyos. Azongi lisusu pembe na ngai. Boye bisa azongi se pa mama nae. Ye wana vandona ye sai ke non mikolo ke ndone pa arolingate. Bitumbe ko bima. Tobete Yesu Kristo mama. Amen. Sigo yo yo ozo bundisa pembe na ngai. Amen. Donc mère azongi saka pemba père et salarien. Bien-aimé, faites attention. Keba, ne participez pas aux conversations inutiles. Parce que qui ne va même pas t'aider. Même pas plus loin. Confucius a dit ceci. Exige beaucoup de toi-même. Et attends peu des autres. Ainsi beaucoup d'ennui. Te seront épargnés. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui baloukaka beaucoup na batumusus?
Alléluia. Nous avons notre oncle. Qui est haut placé, qui est ministre. Ah, lorsqu'il va voler l'argent de l'État, il viendra avec ça dans notre famille. C'est ainsi que nous aussi, nous serons riches. Mais le colonel Zéla n'est pas Yaya Nabino ministre. Tant au moment où il y a un immeuble pour la banque, pour la moissine, après, il y a un immeuble pour la banque. Alléluia. Amen. Ne cherchez, n'exigez pas beaucoup des autres. Cherchez d'abord pour na yomo. Pour que yoko mayo pe un homme excellent. Vous devez tout faire. Et vous devez bannir la peur. Et vous savez généralement ce qui fait que Batouba Zala toujours na sima, c'est tout simplement les gens ont peur d'affronter la vie. Les gens ont peur d'affronter même les réalités. Nous avons des réalités dans notre vie, des réalités dans notre pays. Il faut les affronter. Alléluia. Amen. Voilà comment l'aigle bien-aimé, lorsque nous allons voir comment il est en plein vol, comment il agit en plein vol, quelles sont ses réactions lorsqu'il est en plein vol, lorsqu'il rencontre des tempêtes, comment il se comporte. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour le roi? Amen. 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 Oui, dit Batoué Bélé. Bavandia, Bazakaka, si tout bino Bakongo. Bango Bakongo, Baba Lobé la Bango. Amen. Amen. Bakongo Batika Kotangisa, même Bana la Bango Batangisa Banankas. Nasuka Nango Babike, moi Nankasinda Osangan. Ebele lelo baza na deception. Bana kasi ba kenda liboso. Bana na bango ba bandi ko sunga ba papo ba botan. Papa zwa. Yo bandi ko zela mwana nkasi na suka. Ayakati. Ayakati. Mena suko bandi ko se rabattre sur tes enfants. Les enfants que tu as négligés. Bana yo tala ki pamba lobi. Les enfants que tu n'as pas scolarisé. Bana tangi sa ki. Tu vas mener te rabattre vers tes enfants. O bandi ko bunda chef pa na bana. Yo bandi na saka papa na bino. Mais na saka te yo tant que tu es encore en vie. Loko zano na bomo. Alléluia. Amen. Occupe-toi de tes enfants. Ki pa bana na yo. Mutako sa yo te. Mutako sa yo te. Occupe-toi de tes enfants. Amen. Na kumba bana na yo. Na lobi te ko so ko sunga nani neveu na yo te. Sunga na yo. Mais ki otiki ba oya yo lobi ke o kende bana o ko regretter. Okolela. Yebisa bazana oko okotoka. Okotoka. Mito ya mibesu. Bien aimé, l'aigle a une bonne vision. Balinga mpongo amona kamala. Les yeux de l'aigle, miso ya mpongo, lui confère une très bonne vision. Et pesa ka nzela mona mala. Il est capable de voir. Atana makokia komona 360 km et 360 degrés. Atana 360 degrés. Elle est aussi perçante. Et yango pia pasolaka. Elle lui permet de voir sur des kilomètres. Alléluia. Amen. Les yeux de l'aigle. Mishampongo. Il devrait en être de même pour vous. Vous devez avoir une vision claire de votre propre vie. Lorsque vous n'avez pas une vision claire de votre propre vie. Mais yoka, un jour, j'étais en train de passer quelque part. On était en train d'arranger la route. Je vois un papa avec son sac. Il était en train de partir quelque part. Je vois cet œil au travail. Avec son petit sac. Puisqu'on était en train d'arranger la route, il y avait des engins. Mais papa qui arrive avec son petit sac. C'était vers 9h. Il arrive en train de regarder les engins. Comment on arrangeait la route. Moi je pars au service. Vers 15h. Lorsque je rentre, je vois le papa là avec son petit sac en train de regarder. Donc lui-même n'a pas une vision claire pour ça. Il ne sait même pas là où il allait. Lorsqu'on le voyait, lorsqu'on l'a vu, on a cru que c'était un papa qui allait chercher sa famille. Mais il n'a pas une vision claire. Un papa qui a laissé sa famille à la maison. Il se réveille le matin avec son sac. Maintenant, il est en train de chercher la vie. Mais il trouve les gens en train de chercher. Et il se met là comme un sac. Il dit qu'il a toute une famille. À il doit nourrir. Quand il va rentrer le soir, la vie est très difficile. Et quand la vie est très difficile, parce que vous étiez là en train de regarder. Vous devez avoir une vision claire de votre vie. Si vous n'avez pas la vision claire de votre vie, vous allez
vous allez demander beaucoup de votre part. Nous allons commencer à prier pour vous. Qu'est-ce que vous cherchez au juste? Aujourd'hui, vous avez une requête. Le lendemain, vous avez une autre. Le lendemain, vous avez encore une autre. Pendant que la première, vous n'avez pas encore obtenu le résultat attendu. Mais vous avez des réponses. Parce que tout simplement, vous n'avez pas raconté, vous n'avez pas une vision claire. Demande à ton voisin. Tant que vous avez ensemble, vous avez ensemble. Tout n'aïa. Est-ce que vous êtes ensemble? Amen. Donc, vous êtes amen. Amen. Avoir une vision claire de sa vie, c'est savoir avec le plus de précision qui on est. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il faut connaître d'abord, connais-toi toi-même. Tu dois d'abord te connaître toi-même. Qui tu es? Si tu es un aigle, tu dois savoir que tu es un aigle. Si tu es un perroquet, tu dois connaître que tu es un perroquet. Un perroquet ne peut pas mettre au monde les aigles. Ah. Est-ce que... Un perroquet ne peut pas mettre au monde des aigles. Un perroquet ou un aigle aussi ne peut pas mettre au monde des perroquets. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il faut mieux banane yomo kozana. Nazanani. Tout le monde voisin yomo kozana nazanani. Obanga yete abangi sote tuna yazanani. Ce qui yomo kozana dit osa na difficulté à komiyeba. Comment est-ce que ton pasteur a koyeba yo? A koyeba nengeni. Alléluia. Lorsque je reçois des gens. Tana mbaka bato. Quand je parle avec quelqu'un, je vois au moins, j'essaie de voir. Mais c'est une personne qui a une vision de l'aigle. Ou bien il faut encore les réanimer. Je vois que c'est un aigle, mais qui est mort, qui peut revenir à la vie. Ou c'est un perroquet. Si vous êtes un perroquet, moi aussi je vais beaucoup parler. Pour t'aider tout simplement pour qu'il y ait l'alliance. Ou là vous entrez dans mon bureau, parlez. On crée un climat ambiant et puis on se sépare. Quand vous entrez dans mon bureau, vous cherchez à avoir l'excellence. Vous pouvez parler des choses. Moi aussi je vais vous révéler certaines choses. Je vais commencer à parler avec vous. Pas ok kokuta nana professeur moko boiseux biso non mino na moni que osaka na étoile ake komema oti akotisi on occultisme. Faites attention keba le monde ici est baby. Et que nous sommes ensemble. Amen. Même les hommes de Dieu. Attends, faites attention keba basali belé bapola. Je vous informe, trois quarts de serviteurs na Kinshasa basa dans l'occultisme. Dans des magies. Je ne sais pas, ils sont en train de chercher quoi. Mais je veux dire ceci, ils n'ont pas une vision claire. Notre vision claire, et moi c'est une malam. On voit la croix. Si je vois la croix, je sais que moi là, je ne peux pas entrer dans des futilités. Je ne peux pas aller adorer des idoles. Je ne peux pas aller adorer un homme. Non, c'est parce que celui qui est mort est ressuscité pour moi. C'est Jésus-Christ. Il y a une grande vision pour ma vie. La vision de Jésus-Christ, c'est de m'amener vers les auteurs. Amen. Amen. Moi je ne peux pas envier les choses de ce monde. Je ne peux pas envier les choses de ce monde. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Moi je sais des choses. La Bible dit ceci. C'est la bénédiction de Dieu. Qui est en Christi. Amen. Amen. Moi, je ne peux pas envier les choses. Dis à ton voisin qu'on envie la Bible. Amen. N'envie pas. La convoitise là a poussé et les hommes de Dieu et d'aller se prostituer. La prostitution, Bondumba, cela veut dire tout simplement ils sont allés se prostituer à d'autres doctrines. Ils ont laissé la saine doctrine qui est la doctrine de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Tout simplement parce qu'ils avaient besoin du matériel. Même dans le mariage, lorsque vous épousez une femme, lorsque vous épousez une femme, une femme arrive parce qu'elle vient tout simplement
tout simplement parce qu'il y a un intérêt. Je vais vous dire ceci. L'intérêt c'est quoi? C'est le matériel. À côté parce que tout simplement c'est le matériel. Donc, elle a été tirée de ces matériels. Au lieu qu'elle soit tirée de vos côtes, cette femme que vous avez épousée a été tirée de ces matériels. Si elle a été tirée de vos côtes, lorsque vous allez mourir, automatiquement vous allez vous séparer. Puisqu'elle a été tirée de matériel, lorsque les matériels vont disparaître, elle aussi va disparaître. Parce que la femme là est venue tout simplement parce que. Il y a un intérêt. Nalitomba, Mouyibi. Amen. Amen. Même dans l'église. Attends l'église. Quand vous entrez dans l'église de Dieu. So, une église, avec un intérêt. Namolitomba. Sachez tout simplement que vous avez été tiré de ces intérêts-là. Quand on entre dans l'église, nous avons été tirés des côtes de Jésus. Alors qu'on avait transversé. Yango l'eau et le sang. Lorsque la femme est prête à mettre au monde, moi si on l'eau qui coule et le sang qui sort, c'est alors qu'il y a la vie. Voilà là où on a été tiré nous. Maintenant quand tu viens à l'église, tu as été tiré où? Lorsque tu ne trouves pas ton intérêt, que tu cherchais, tu vas changer des églises à l'église. Tu vas changer des églises à l'église. Cela ne dépend pas d'un homme de Dieu. Cela dépend de celui où tu as été tiré. C'est lui qui va communiquer en toi la vie. Puisque tu as été tiré de matériel, le matériel n'a pas une vie. Bon, nous avons quitté la bosse, nous avons quitté. Ah, il y a un débat qui n'a pas un pamba. Le débat n'a pas un pamba. Le matériel n'a pas une vie. Nous avons quitté la bosse, nous avons quitté. Ensemble. Amen. Le matériel n'a pas une vie. Nous avons quitté la bosse, nous avons quitté. Et les caca. Les gens. Bateau. Il y a longtemps, bateau, là, qui n'a pas vu, c'est les gens qu'on adorait. Ah. Si aujourd'hui vous. Si vous êtes dans une veuve, vous risquez de vous prendre pour un fou. Aux hommes, tu as dit, tu es une misère. Malgré que tu as quatre pattes, mais les gens vont te prendre pour un fou. Tout simplement parce que cette génération est déjà passée. Aujourd'hui, nous avons une génération. Là, on ne parle que de TX, TX. Mais notre Jésus-Christ, il est le même hier. Aujourd'hui, il est Alléluia. Il est le même. Il est le même. Jésus qui a tué les gens physiquement continue à tuer des gens maintenant spirituellement. Beaucoup de gens sont morts spirituellement. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Faites attention, bien-aimés. Vous devez faire attention. Je suis un aigle. Mais tiré du matériel. Mais au Kangama Kaka, vous êtes qui? Ozanani. Alléluia. Amen. Vous devez connaître vos faiblesses. Et votre force. C'est ça avoir une vision claire. Connaître tes faiblesses. Comme ça que Omi Yebiyomoko. Je connais mes faiblesses. Yokasikoy. Il y a un pasteur que j'ai beaucoup aimé. Il est aux États-Unis. Lui, il a communiqué comme ça à son peuple. À son peuple. Il dit ceci. Alors, bien-aimé, moi j'ai une faiblesse, j'ai beaucoup prié, mais la délivrance tarde à venir. La faiblesse n'a pas été. Alléluia. Amen. Il va parler avec ses enfants. Voilà ma faiblesse. Et je vais vous demander. Particulièrement les mamans. Votre papa, je vais commencer à tomber avec vous. Écoutez comment vous allez m'aider. Dans mon bureau, il y a une femme qui est bien habillée. Alléluia. Amen. Pas un habillement sexy. Ce qui est bon, on a quoi. Alléluia. Amen. Alors, vérifiez très bien. Vérifiez très bien. Na ou me la tena biro nga moko ata pendant 30 minutes. Na mwana mwasi. Na ko beba, na ko bebis. Le papa qui dit ça à ses enfants. Aye si bana naye. Ba papa pe ba yo ki ba bi bon papa. Pour t'aider. To sunga yo. Nous allons construire un bureau pour. To kosa elo biro. Ba sale le bureau ba vitre. Ya ba vitre. Alléluia. Ah. Papa est en train de parler avec une sœur. Ah, ba to ba sale maela. Maela maela.
Maele maele bazo contrôler. Papa pese ba tala zo mona pe ke bato azalele. Bazo tala. Moye o sala de gars. Exacte. Parce que lui-même a reconnu ses faits. Il a demandé aux autres de. Aujourd'hui c'est un homme hein. Fort. Amen. C'est un homme fort. Quand il marche, vous allez voir même les mamans. Pardon, papa. Maman, viens. Yaka. Tu n'es pas bien habillé. Olata d'une manière décente, avec modestie. Mm. Hein? Ça, c'est papa. Oui, c'est pas bon. Oui, hein? Va te corriger, ma fille. N'est-ce pas? Moi, n'a pas ça, néné. Aïe. Sur les agis d'Afrique, maman, moi, quand il sert 4. Bon côté. Bon été. Il faut la gagner avec amour. Mm. Mais il faut aider aussi les papas. Et quelle est votre faiblesse? Bon, l'aigle connaît ses faiblesses. Bon, bon, il sait que le jour je vais monter dans les hauteurs. Je vais affronter la tempête. Mais j'ai aussi mes faiblesses. Ceux qui n'ont reconnaissé ma faiblesse, je risque de tomber. Ah. Alléluia. Amen. Ceux qui n'ont pas commis, il faut que les papas. Pour la commune, il faut connaître aussi tes forces. Quelles sont tes forces? Makasi ne zawapi. Quelles sont tes forces? Makasi ne zanine. Ya batu mususu force na bangwe zaka na rotong. Hmm. Mususu pe kolia pufu. Force na bangwe zaka kuzuki sabaki. Hmm. Soka lobika ba. Mutazoki. Na pasteur na eka. Mutema. Mutema. Esta na ba foyer mususu ki mama beti réponse. Boom. Eku kolonga. Na ba na petit ki. Hmm. Na ba toli pe anda ko kolonga. Papa petit ki. Hmm. Tout simplement parce que maman a sa la réponse moko te terrible. Yamakasi. Alléluia. Mm. Même des papas aussi. Attends, papa. Ceux qui kakalobi a bête à maman li maman. Réponse moko pas. Beaucoup comme on a maman tellement ma maman qui répond à ce que la bassane a eu torchon au pangsan. Voilà. Au voilà. Côté la chambre. La maman oublie même les torchons qui est à pour torchonner. Dans la maram. Alléluia. Amen. Tous ensemble. Amen. Acclamons très fort pour le Jésus. Ma point fort dans les années. Mm. Quels sont tes points forts? Bisikali ni botoza, matono ni nyamakasi na yo. Yebi yebi ba point faible na ona ba point. Soko yebi matono ya botau pe matono ya makasi na yo. Tu seras un homme fort. Okoza la moto makasi. Avez-vous des objectifs précis? Ozali pe na makambo ozali ko landa penza na ko yeba des objectifs précis. Et sengi po yeba makambo ni ngana zonga na. Il y a des gens qui n'ont même pas des objectifs. Et zala batu ba yitini ni basa ko. Ils n'ont même pas des projets précis. Ayebi te mabongisi na zala. Si vous lui posez la question, qu'est-ce que vous êtes capable de faire dans votre vie? Ah, soko tunye okiko sala nini? Nakosa malewa. Oui. Na mona ki frère Paul azo sa sabusa, je peux faire aussi sabusa. Na rien. Et puis pourquoi simbo? Bon. Na kote ka pe mai, hein. Mai mai. Na ki pour ça la pesu ko kata sasuki. Bon, so neti o ebi ka mo bali mo ka zolo ka mwasi, na ko bala ve. Oui, oui. Ko cha pe ba mama za zo na ko pe ko cha. Bon. Mm. So pour Monica nani? Mwasi moko boye. Si tout baso bazalaka mi penda minene. C'est bon. Tous les qui sont dans l'église, ma maman va le baba dans l'église, mes peines. Quand vous me demandez comme ça, moi. Ce que c'est ngabongongai. Si on a la bande de la bande de Batunyo, surtout quand on a dans la photo, alors que basse mes peines dans l'église, c'est-à-dire naïe natali na dans une famille, pour la sanga bande dans la bino. Je crois que dans aussi sa phrase, on va me lapider. Bako bamanga ma banque. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi? Bravo Seigneur. Bien-aimé, l'aigle voit plus loin. Dans des kilomètres et kilomètres. Est-ce que vous voyez plus loin? Est-ce que vous savez que le moment que nous traversons va prendre aussi fin? Parce que le Seigneur a dit ceci. Après ce moment difficile, ce qui va venir après, ça sera la restauration. Hey! Papa Kanga, retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Et que nous sommes ensemble. Amen. Après tout le moment de l'église, ce qui vient après, c'est la restauration. Et là où les gens vont pleurer hier, seront consolés aujourd'hui. Le moment de la restauration. Quel est le moment que tu traverses? Il a connu aux accords. Si tu es un aigle, mais si l'humiliation mort, après cette humiliation, la consolation. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Vous devez comprendre cela. Vous devez voir plus loin. Ce n'est pas le temps de quitter le pays. Ce n'est pas le temps de faire des histoires de votre propre gré. Cherchez la volonté partout. Alléluia. Amen. Cherchez la volonté partout. Moi je vous rassure. Après ce moment que vous voyez, Dieu est en train de préparer une nouvelle. Zamba,
Il a même dit ceci. Alors, bah, peut, le Congo que vous voyez. Congo, ça, comme on a. Retiens ce que je te dis. Aujourd'hui. Les gens ont la richesse. Vous voyez, ça m'a belé. J'ai mis ça seulement au Congo. Na tiens, na le Congo Kinshasa. Congo Kinshasa. N'est pas Congo Brazzaville. C'est pas Congo Brazzaville. Toi tel que tu es là. Ah, non, tu n'es pas une chinoise. On s'appelle chinois, tu as ta promesse à toi. On toi ta ton problème. Yoli, kamona, yo. Avoir la vision claire. Et comment on a malade. Regarde dans la croix. T'as l'air que il y a ta promesse. Si il a c'est là où coule là, ta promesse. Si il a est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Beaucoup de gens. Batébélé. Bah comment on a restauration. Hein. Mais bah monsieur. Mm. Oh bah bah vautour. Hein. Bah bah perroquet. Hein. Bah comment on a restauration. Bah comment on a tiens. Bah kokufa. Hmm. Alléluia. Amen. Mais s'il y a un aigle. Qu'est-ce que ça n'a pas encore. Vivre longtemps. À combien de temps on s'il y a un aigle dans cette. Ce que ça n'a pas encore. Qui va vivre au-delà. À combien de temps on a coulé dans le colon. Cette gloire. À combien d'un kembo. Car elle est pour très bientôt. Peut dire mais ça prend la calamité. Elle est pour très bientôt. Et ça prend la calamité. Alléluia. Amen. Elle est pour très bien. C'est dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Il faut avoir un objectif précis. Alléluia. Amen. Il y a Rivarol. Rivarol. Directeur Rivarol, c'est qui? Azanan. Bato batanga bazana problème lelo. Na ba gina onyo kolera ye. Hmm. Ke ba papa pembe ko kite. Directeur a tout préfet. A tout ni physicien, physicien, n'y a si mouton, un kamonoko. Rivarol, 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 Azanan. Hum? Ebungi. Alobi Ebungi, papa. Ebungi, hein? Il a dit ceci. N'a pas répondu. N'a pas répondu. N'a pas répondu. N'a pas répondu. N'a pas enseigné, n'a pas encore été préfet. N'a pas encore été. N'a pas missile. Directeur a lobby parmi les philosophes. Acclamons ton peuple pour le roi. Et c'est là, Yesu Christ, ma boucle, ma casse. Il a dit ceci. Alors, oui. On ne va jamais si loin lorsqu'on ne sait pas où l'on va. Amen. Voilà pourquoi nous échouons. Tu ne peux pas aller loin. Tant que vous réveillez le matin, le matin. Ok, wap. Bah, tu m'as dit selon mon pépé. Hein. À la moukina tongo, à tout le monde. A qui mon pépé, tu. Ah, exacto. Waya, waya. Amen. Amen. Nous allons voir quelque chose. Tu comprends le comment? Oui, quoi, c'est dire l'iso. L'aigle, pongo, c'est se concentrer. Aïe, bi, comme il compte, c'est quand même. Avez-vous déjà vu un aigle? Et si on m'en a pongo? Chassé. Ouais, ça, comme le roi. Tu peux acclamer très fort pour le roi de Dieu. Bravo, Seigneur. Tout ce que nous avons atterrir. C'est fascinant, bien aimé. Et c'est fascinant. Et mais écoutez ce que l'aigle fait le matin. Lorsque l'aigle se réveille le matin, il est là sur un arbre. L'aigle n'est pas pressé de voler. Il est là en train d'observer. Il est là comme un thermomètre. Et en train de voir quelque chose. Pendant qu'il y a 4h du matin, vous avez des moineaux qui nous dérangent, qui nous réveillent. Mais l'aigle, lorsqu'il se réveille, il n'est pas pressé de voler. Il est en train de regarder ce qui se passe. Il est en train de regarder la température. Pour voler, il faut connaître d'abord la température. Il est là en train de se concentrer. Il regarde la température. Il prend tout son temps. Et l'autre va voler, c'est pour un objectif. Et d'après la colonne de l'eau, comment à Pumba, dit Pumba, là, tiens. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est ça l'aigle. Le moineau. Quand moineau. Le problème n'avait été qu'on a mouka na 5 heures. Il y a la Bible n'est pas zoloba. Alors, puis c'est en vain. Et vous vous réveillez. Le matin. Alléluia. N'a pas mal ici ce tard. Mais pour avoir un peu de flux. Pendant qu'il en donne à tous les mains. Qui tango bango va l'aligner à bango. Ah. Pour nous gagner vie, on a 4h. Je connais un premier ministre qui s'est réveillé à 4h, mais il a échoué. Allongé. 6h, il faisait des réunions 4h, 4h mathématiques.
Mais il a échoué. Allongité. Le problème, ce n'est pas de se réveiller le matin. Le problème est que il doit connaître la température. Quelle est la température? Il ne faut pas sortir pour sortir. Vous devez avoir un objectif. Et c'est le matin. Il y a quel objectif? Tu dois avoir un objectif. Et c'est quoi le connu au sol? Tu dois connaître la température. Et c'est quoi maintenant le moto? Avant de sauter. Il y a des choses à nous qui n'ont pas commis. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Acclamons très fort pour le Père. Bénissez ce Christ, ma beau comacas. Il se focalise sur sa proie. Alléluia. Amen. Du début à la fin de la chasse. Il doit d'abord se focaliser à l'essentiel. Lorsque tu es à l'église, tu dois te focaliser à l'essentiel. Lorsque tu vis, tu dois avoir une vision claire. Et c'est te focaliser à l'essentiel. Quel est l'essentiel pour ta vie? L'essentiel pour ta vie? Il y a mon Dieu là-bas, Moïnaïo. L'essentiel pour ta vie, c'est d'aller te prostituer. L'essentiel pour ta vie, c'est d'aller. Il y a mon Dieu là-bas, Moïnaïo. Co-creuser Bakayas. Co-creuser Kobuka Bakayas. L'essentiel pour ta vie. Il y a mon Dieu là-bas, Moïnaïo. Alléluia. Nini, nous avons besoin d'avoir une vision claire. Et c'est quoi les mots ici, Paul? Dieu travaille avec les faibles. Nous avons besoin d'aller au tabou. Lorsque tu es faible, tant que nous avons c'est alors que Dieu va travailler avec nous. Nous avons besoin d'aller. Quand tu es faible, tant que nous avons il faut avoir une vision grande. Zalane moni c'est la monnaie. Il y a comment on a malam. C'est comme ça que Dieu va travailler. Mais là bon ça tu es faible physiquement. Ozali na botau na nzoto. Tu es fort spirituel. Ça ma casse la monnaie. Tu as une grande vision. Ozane moni c'est la monnaie. Tu de cette vision. Na moni c'est lui ondé. Va t'accompagner. Ndé nzamba ko tambola nona. Tu es faible. Ozana botau. Makamuno nyoso yaka ya se. Na se ka komi kiti sa. Nzambe. Nzambe soka ape singa ikaka. Ata musala ba futanga $50 non. Te boete. Wala botawo to belate. Moi sala musala malamu. Exact. Tu as une vision. Ozane moni c'est il y a moke. Une vision nulle. Et moni c'est la pamba. L'aigle avant de voler. Pongo yamba pumbwa. Cherche d'abord la proie. Ali bare bana nyama yena. Le même mais lorsqu'il voit des cadavres partout. Ata moni bi bembe singa. Il a faim. Ata za nzala. Il ne va pas manger. Akolia na ete. L'aigle pongo ne cherche pas à manger biloko ba kenda ko chasser pour naye. Babo mena na ngalia. Vous êtes un aiglon. Soko zaka mpongo wana na yende akutiko luka. Mais un aigle. Kasi mpongo akemba. Ni muninga na yauti ko chasser un gibier. Ako kipete. Ako kipete. Wana ya ye. C'est dit que ça c'est pour lui. Wana ya ye. Moi aussi je suis fort. Na yende na makashi. Je dois aller chasser. Esengi na kende ko luka ya. Il se concentre. Amizom sa kati na ye. Il resserre ses muscles. Kangi mi sisa na ye. Et il va. Pia pumbwe. Lorsqu'il va dans les hauteurs. Tanga mati ya likolo. Il est focalisé à l'objectif. Pia atali kapote ya litoba. Focalisé à l'essentiel. Atali wa zemo tu ya pa ye. Lorsque toi tu montes l'objectif, c'est un focalisé à quoi? Ton matin qui m'a cassé la prière, mais tu étais focalisé à la prière. Aigle, quand tu combattes l'icône, tu es pour nous. Jamais. Pour le bas par hasard, car les cas qui a beaucoup de temps pour qu'on d'arrive à l'occasion à cause d'un écran pour qu'à passer ma bébé n'a qu'à l'oyer pour être la bien. Il faut que nous commandons. J'ai bien mon aigle. Dernièrement, j'étais en train de voir. J'aime bien voir la vie de l'aigle. J'ai regardé dans un documentaire. Je vois l'aigle. Il y avait un groupe de gens qui étaient à la montagne. Qui était là plus bas. On va voir l'aigle qui volait très haut. Il a crié à ses frères. Attention, l'aigle là. Bien aimé. Attention. Pendant que je suis là, je suis là. L'aigle a tout le monde. Un homme. L'aigle va dire qu'il est là. J'ai vu déjà bazo wela mutu wala bazo bundana aigle. Faut pas quitter ça. L'aigle royal. Donc heureusement il y avait un groupe de gens bakangin de koda bango pa aigle kei. Donc imaginez na ba montagne na mutu na so akenda ganga sana ne. Ake ko panzaye. Lorsque vous agitez tant que tu kokuna likolo ke opasu ki na après récupérer ki nayo. Alléluia. Amen. Voilà la vie des nègres. Ndebo moya mpongo. On peut acclamer très fort pour le roi de roi. Balobi teke awa. Balobi ke oza aigle ote ata soki nakie koyiba naza aigle tete. Namona ka bien bakolo lupanga wakanganga te. Ote na pasteur alobaki tozala ba aigle. Hein?
aigle wana nga zolo bate. L'aigle n'agit pas dans le désordre. L'aigle il agit dans l'ordre. Vous devez être ordonné. Vous devez avoir une vie ordonnée. Une vie claire et nette. C'est alors que vous allez réussir. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Si notre vision dans notre communauté le Jourdain, c'est une vision de l'aigle. Une vision de l'aigle qui est la vision de l'excellence. Et si nous avons des enfants médiocres, nous allons souffrir. Est-ce que vous le savez? Amen. Nous allons souffrir. Tokonyo kwam. Est-ce que tous ensemble? Amen. Parce que lorsque nous prêchons les enfants de Dieu, tellement ils sont dans des futilités. Ils sont dans des histoires inutiles. Ils risquent de tarder encore. Moi, promesse. Bilaka. Ou bien l'accomplissement de la promesse. Acclamons très fort pour le roi de Dieu. Tous ensemble. Amen. Dis à ton voisin, osa perroquet, osa poule. Tuna et osa soso. Posez une question. Oza tchaku, toza mpongo. Toza ensemble. Amen. Vous savez, d'abord que Dieu bénisse sa parole. Zamba pambola lobanaye. Parce que nous avons une vision dans notre église. C'est une vision d'excellence. C'est une vision de l'ordre. La vision d'excellence. Si nous la regardons, si nous regardons à la croix, la Bible dit ceci. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec moi, vous ferez des exploits. Alléluia. Amen. Si vous associez de Dieu dans votre projet, sachez que vous allez échouer. Est-ce que vous le savez? Sachez que vous allez échouer. Si vous associez d'autres choses, si vous associez des gens à la place de Dieu, vous allez échouer. Et si vous associez le Saint-Esprit, la Bible dit avec moi, vous ferez des exploits. Vous ferez des exploits. Tout simplement parce que vous avez associé. Vous n'allez jamais échouer. Amen. Amen. Je vais vous dire ceci bien aimé, pour terminer. Je vais vous dire ceci. Vous savez, deux fois, on attriste le Saint-Esprit. Regardez ce qui se passe dans des églises. Généralement, les dimanches que vous voyez, c'est les jours du Seigneur. Ce n'est pas les jours de l'homme. C'est le septième jour. La Bible dit ceci. Les six jours, vous allez travailler, c'est pour vous. Le Seigneur nous donne les six jours. Mais il dit le sixième jour, c'est le jour que vous allez consacrer à moi. Mais regardez ce qui se passe dans des églises. Vous savez, moi je ne suis pas contre les églises qui font de deux cultes, trois cultes. Hein. Peut-être c'est par rapport au nombre, mais généralement, moi je vais vous dire que c'est une fausse affaire. Est-ce que tous ensemble? Amen. Par rapport à la Bible, il y a faire deux cultes, trois cultes, c'est pour l'objectif ou l'idée. Il y a comme ça la deux, trois cultes, c'est pour satisfaire tout simplement les besoins des hommes. Je m'explique. Les hommes ont leur programme. Nous allons faire un premier culte de 9h, de 8h à 10h pour permettre aux gens d'aller faire leurs affaires. Alléluia. Amen. Au lieu d'élever Dieu, ici on est en train d'élever un homme. On est en train de tailler l'église par rapport à l'homme. Pendant que Dieu a dit les dimanches, observez ça pour moi. Tout le temps. Et les gens vont courir après le temps. Les gens vont se dire ceci. Puisqu'il est 10h, nous devons couper les églises. Tout en oubliant que c'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, vous coupez. Les gens vont partir. Vont faire des bêtises. Ceux-là qui vont même partir dans les hôtels, le dimanche. Pendant que c'est le jour du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous cherchez le deuxième jour. Deuxième culte. Les gens viennent dans le deuxième culte. Vous les taillez sur base. Venez seulement à 10h. Je vais vous poser la question. C'est faux. Et archi faux. En réalité, même si on est 1 million, il fallait tout passer journée Mobimba, la présence en Zambé. Alléluia. Amen. Je vais vous poser la question. À l'époque, la Bible dit ceci. Et ça qui est un temple, le temple, il y avait combien? Deux, trois. Il y avait combien de temples? Moko. Hein? Moko. Moko. Israël Mobimba, quand un temple. Je ne dis pas ici une portion des gens.
Tout Israël allait où? Temple 1. Bazaï que 200 000 années. Mais bah qu'il te combien? Bah qu'il te zaï combien? Il y avait cette culte. Tout simplement, on a oublié Dieu. Même lorsque le Saint-Esprit agit, même les gens qui viennent à l'église, limitation. La manière dont tu as limité Dieu, Dieu te limite. Il y a un limité. Quand tu regardes la montre, ça traîne. Dieu aussi va te limiter. Parce que jour, alléluia, jour, naïe. En réalité, quand nous, si vous suivez correctement la parole de Dieu, il fallait que vous en journée mobima. Moi, j'ai prêché sur une allée, j'ai prêché sur le bande de quoi, bande de quoi, vert blanc. Bande de quoi, là, mimi, ils sont dans les hôtels. Et puis, à la fin, lorsqu'on rentre à la maison, mais ce qui est bizarre, papa, vous allez voir des églises mortes. Ben, comme les kimbangistes, ils passent leur temps là-bas. Bien que c'est dans le faux. Bango, parce qu'il y a une promenade de santé. Babé, t'as rajouté. Danse. Alléluia. Amen. Acclamons très fort pour le roi. Bété là, mon continue, va continuer, ma boko makasi. Est-ce que tous sommes ensemble? Amen. Donc voilà, l'église est joyeux. Pongo, regardez même lorsqu'il joue, il est joyeux. Alléluia. Vous devez être joyeux. Quand vous venez à l'église, vous devez être joyeux. Vous devez être joyeux. Parce que vous savez que Nzambo sale la kawana otikara jamais. Amen. Alléluia. Amen. À moins que Nzambo en a chargé. David a dit j'ai été jeune. David a dit j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un jeune. Mais comme si Dieu là n'a jamais été menteur. Le nom de Dieu comme si Nzambo n'a menteur. Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais été menteur. Notre Dieu ne ment jamais. Zambé ce qui t'a promis, toi ton problème, attends l'accomplissement de la promesse. Ne t'agite pas. Attends. C'est là. Sois tellement joyeux. Quand tu viens à l'église de Dieu, ne sois pas comme un soldat qui a été privé de 3 mois de salaire. Attends, ce que tu as dit, c'est que tu as un frère, tu as un rabbin. Mais ça, les sous-sous à gauche, on a eu un thème. On doit l'autre qui est dans l'autre avec au final. Tu veux dire, Jésus Christ, ma bonne casse. Amen. La qui m'a rapidement parce que mon abyss est qui. Alléluia. Amen. La qui m'a bangou, mais si l'abyss va beaucoup t'aider, n'a ce qui s'y pour un souka, l'aigle se marie pour la vie. Pongo abalaka. C'est là où je vais terminer. L'aigle se marie pour une seule fois. Pongo abala kaka kapona mbala moko. L'aigle est monogame. Pongo azakana basi mi balete. L'aigle n'est pas polygame. Ah, azakana basi mi balete. Il se marie pour une seule fois. Abala kaka kapona mbala moko na bomoinaye. Regardez combien les hommes de Dieu n'ont pas de vision claire. Abali moi si. À un moment donné, lorsqu'il atteint comment il est passé, il dit que tu n'es pas la femme à mon niveau. Je suis en train d'exhorter les enfants de Dieu qui ne se sont pas encore mariés. Faites attention. Lorsque tu as un niveau, ça ne sera pas la femme qui sera tirée de tes corps. Ça sera la femme qui sera tirée de ton niveau. Le niveau est l'évasion. Or, la vie, il y a le haut. Et le jour, il y aura le bas dans ta famille. La femme va. Elle va aller à un niveau. Elle va aller à un. Alléluia. Amen. L'aigle se marie une seule fois pour toute sa vie. Bon, bon. D'ailleurs, l'aigle vit à Vivaka une vie solitaire. Il est solitaire. Vous ne verrez pas l'aigle dans Baninga. L'aigle, s'il joue avec sa femme, alléluia. Amen. Il est en train de jouer. 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 Les gens n'ont pas une bonne vision. Les gens ne voient pas clair. Lorsque tu veux épouser cette femme, cette femme du village, tu ne savais pas qu'un jour Dieu allait t'élever. Mais pourquoi lorsque Dieu t'élève, tu cherches à divorcer avec cette femme? Si tu divorces avec cette femme, sachez tout simplement que tu n'es pas élevé. Si tu connais un pasteur, il y a déjà divorcé avec sa femme, tu n'es pas un nègre. C'est un vautour. Même s'il a beaucoup de fidèles, même s'il a beaucoup d'enfants de Dieu, c'est tout simplement qu'il n'est pas un aigle. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. L'aigle Pongo se marie pour toute la vie. C'est ça l'aigle. C'est quoi le bio, non? Pasteur Nabiso a divorcé. D'ailleurs, maman pasteur a Zalakandoki. Il est en train de se faire.
a délivré. Yo tant que papa que ministère y a délivrance. Yo y pas que il faut délivrer pour moi cela. Tala makam. Quand on est pasteur, la première âme c'est ta femme. Et ça moi aussi na yo. Amen. Tu n'as pas mis d'accord ta femme et tes enfants, toi tu viens nous mettre d'accord ici. Odi basi ba serviteur ou ba vandia, ba y bakate. Na sa sona kutani kana moi sa serviteur. Boni nanda. Ba y bakate na zo jojé banda. Ce qui quand le dit papa na ko lexa mobale na chair, c'est un menteur. Abo kisana moi sinaï. Qu'est-ce qu'il va, il viendra nous prêcher ici? À côté, ce qui, moi, si n'allez là, la comboraye. Alléluia. Amen. Tu dois être en harmonie, en parfaite harmonie avec ta femme. Dit, oh, tu ne peux pas, pas aller en JD tant que tu n'as pas encore la chance de se faire. Yo, gagna, ote, nani, moi, si n'a pas de bête, ça qui m'a beaucoup coléka. Yo, ando, yo, abîme. Manza, gagnant, sur ma colossée, le moins à ma bakou. Alléluia. Amen. Tu es un menteur. Lorsque tu te maries, si tu es un aigle, marie-toi une fois pour toutes. Je suis en train d'exhorter la jeunesse. Pour regretter demain. Ôtez-moi soit na yebaka te kazalaka na nani. Azalaka na talon à mon aile. Na sombi le papa lelo kaka lobi esi. Ya wana loba bako saka bino no amour ezaka avec la veglo. Nokuta. Ose la kamu kolo bakobala yo mukolo amour ko mona. Ne moko bakobenga nao. Voilà. Amour. Amour est avec la veille. Ça la kaka erreur. Mukola ko benga ndoko bandulu papa ya bana na saka papa bana na kuti. Ndé mukola ko ba amour est monaka, amona. Et puis plus grave. Chose bizarre. Akobanda ko rappeler ba mabenyo so sala même mukola ko taka na ndaka liban. Voilà. Plus grave encore, il va commencer à te rappeler même les choses pendant que vous étiez dans le fiançailles. Oyebi mukolo moko na kanayo. Voilà, oyeba kati. Mukolo to kota na kwembo yo Jonathan benga kayo. Oyebi ango? Banda mukolo wana. Non. Là il est en train de te rappeler les histoires il y a 10 ans, même 20 ans. Abi lelo na kanela o. Banda kalo yeba kati. Omonaka 10 ans. Amonaka 15 ans. Amonaka. Dio koyeba ke amour monaka. E monaka. Tu mettez le Christ ma bon makala. Gloire au Seigneur. So tu ba pasteur Mikolo ezaka kote. Na divorce ki mwasi nanga tambolaka. Siko azala koka. Yo nde ongulumaka. Azala koka te papa. To tsai na pusu pusu to tindika kae. Yo oza ongulumaka. Ya tambolaka yo ongulumaka. Ezaka de raison. Et puis milo na tunaka. Lelo mama pasteur a tunaka kwa ki na église moko na bazaka. Ba 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 ba. Ba. To tuninga bibe. Yango parla lango papa na tunona. Ba église nous c'est ça ba et lui on le bannit babi tenez l'église on tourne ba amen bien aimé soko moni batuana bazaka na deux raisons oko mona ke basanga naka bazai sika moko raison za kami balé son pasteur a divorcé moi ça zandoki moi ça tambola moi ça zandoki moi ça tambola. Donc j'ai compris avant ma papou batambola réunion moko quelque part tolo bakaboye na moni moi sa ministère na ko ejecté na ko ejecté ali boso neni créé o lota ta mabeta so finoki oui pamba il kam to mette le Jésus Christ papa papa grand Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Zamba pambola lobanaye. En tout cas na l'équipe a quasi 30 minutes. Je m'excuse. Amen. Amen. Télé merci Rosan. Je voudrais qu'aujourd'hui, on soutienne Ngaï. N'a pas de paix dans ça.